Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, construisez la Ford Gran Torino. On est bientôt à la fin. Construisez. On est bientôt à la fin de cette série. Donc le fascicule 109, 110 et 111 de chez Hachette. Bon. Vivement que ça se finisse parce que là. On va voir, hein, mais on arrive sur bon voilà sur le 109, on a le montage de la lunette arrière, hein. Donc voilà, on a ça à mettre en place. Pas de vis, rien. Ça ira assez vite, voilà. Si ça veut bien s'engager rapidement. Voilà, il y a juste à la mettre un peu sur l'arrière. Tac, on enclenche. On est sur l'arrière, on englèche, je termine. Voilà. Alors, autour de la série, hein, le flipper Rock'n'Roll Attitude. Donc du coup, comme le passage n'a pas été très court, ils nous ont mis quand même un petit peu de lecture. Voilà. Et là, on a la Chevrolet Nova SS de 1968. Petite mais musclée. Voilà, ça c'est pour le 109, 110, 110, on a le montage du panneau garnissage intérieur arrière gauche, voilà. Encore pas de vis, voilà, juste on clipse ça, terminé, voilà, et on aurait pu quand même nous donner des vis pour qu'on la fixe au moins à l'intérieur, mais bon. La saga Chevrolet Corvette, l'aînée des sportives américaines. Ouh, on en a quelques-unes, voilà. Elle est pas mal. Et puis la gloire de la Corvette avec le nombre de chevaux. Je sais pas si je vois. Non, je vois pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça c'est le 110-111. Et ben voilà, on a notre garniture encore. Ah, on voit que dans le 112, il y aura des vis. Pas beaucoup, mais il y en aura. C'est pas ce que ça donnera. On aura quelques vis dans le 112. Alors pareil, le montage intérieur arrière droit ce coup-ci, voilà, donc pareil, ça sera vite fait. La saga Pontiac, Firebird, l'emblématique oiseau de feu, pas trop couleur feu, mais bon. Voilà. Encore à la rigueur, on pourrait dire que c'est un peu couleur feu. Voilà, si c'est rouge, hein. Voilà, et bien c'est tout pour ce 111, donc de suite on va passer au montage. Bon, mais voilà, pour le fascicule 109, on a, hop là, voilà, je l'ai échappé, voilà, on a la lunette arrière, donc on vient le positionner là, hein. Hop. Tac. Là il y a les deux encoches et on vient la clipser juste à son emplacement. Voilà, on dit que ça peut se clipser, mais ça n'a pas l'air, ça n'a pas envie. Alors on va passer la main dedans si on peut, non, on peut pas. Un peu, alors, on tient en face de là où il y a l'éclipse, mais c'est quand même du plastique. Ah, voilà, j'ai réussi à faire un côté.
facile à clipser. Voilà. Voilà, mais ça c'est pour le 109. Le 110. Voilà, le 110, on avait juste ça à faire. Hein. Ce qu'on va faire sur le 111. On le met même pas à l'intérieur. Voilà. On peut pas le mettre à l'intérieur puisque on n'a pas de vis. Voilà, il n'y a pas de vis. Et le 111, ben c'est la même chose que le 110. Sauf que voilà, c'est l'autre côté. Donc on a un petit côté et un grand côté. Voilà. On va venir le positionner en face des trous. Tac. Pour ces trois numéros, hein. Voilà, ça, ça, et voilà, c'est les garnitures intérieures de la voiture. Ouais, ça va dessus, hein. Oh, oh, et si elle veut bien tenir, elle veut pas tenir, évidemment. Bon, mais voilà, voilà, et ben voilà, hein. C'est tout pour ces trois numéros, ces trois fascicules, aucun vis, rien. Bon, faudra que je nettoie tout ça. Voilà. Donc on va s'en mettre les doigts dessus, et voilà. Hein. Mais en attendant, on va retrouver plus tard dans les prochaines vidéos. Hein. Sur pourquoi, pour finaliser cette voiture quand même, enfin, on va réussir quand même un peu à la finaliser quand même un peu cette voiture. On a le capot, mais on n'a pas pu, on n'a pas mis. On a plein de choses, mais on les a pas mis. Alors, donc, bon, un petit regret avec ce machin en plastique là, mais bon. Et bien, en attendant, nous vous retrouver plus tard, hein, dans les prochaines vidéos. Hein. À tous, portez-vous bien et allez, salut!